Les cours du pétrole augmentent à mesure que le conflit en Ukraine s'intensifie. Mercredi, le WTI américain a atteint son record depuis 2013 avec 111,50 dollars, tandis que Brent de la mer du Nord a atteint 113,02 dollars. Les forces russes poursuivent leur offensive sur plusieurs villes d'Ukraine, dont Kharkiv, ce qui alimente les craintes pour l'approvisionnement en énergie. Le gaz naturel et l'aluminium ont également atteint des records historiques. Le cours européen de référence du gaz naturel, le TTF néerlandais, est allé jusqu'à 194,715 euros. Le prix du gaz britannique évoluait à un niveau très proche de son record historique de décembre dernier. Une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN aura lieu vendredi au siège de l'Alliance à Bruxelles. L'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine a conduit l'Union européenne et les États-Unis en tête à imposer de fortes sanctions à Moscou, alimentant les craintes de voir les exportations russes d'énergie interrompues. La Russie est le plus grand exportateur de pétrole brut au monde et représente plus de 40% des importations annuelles de gaz naturel de l'Union européenne.